Une des raisons, c'est qu'il y a très peu de résidences pour les auteurs et illustrateurs jeunesse en France. Il y en a beaucoup pour des artistes contemporains, pour des musiciens, pour des compagnies de théâtre, mais pour les illustrateurs et auteurs jeunesse, il y en a très peu à ma connaissance. Et donc Éclat, qui s'occupe de la région Aquitaine, propose cette résidence-là. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons, c'est la rareté des résidences. Après, c'est le fait que ça soit en Italie, à Bologne, et que ça se passe pendant la foire internationale. Pour la réputation de la culture italienne, qui est assez forte, pour l'attraction aussi au niveau des artistes italiens, des illustrateurs italiens, et puis une envie de découvrir la région que je ne connaissais pas, et la ville aussi. Alors c'est un projet qui a été créé par la maison d'édition Mama Josepha, qui est une maison d'édition pour les enfants spécialisée dans le documentaire et qui a une ligne éditoriale assez particulière, c'est qu'elle souhaite offrir aux enfants des documentaires plus attractifs du point de vue graphique et plastique et avoir un livre dans lequel les enfants puissent explorer et qui puissent s'approprier à l'aide de jeux. Donc il y a à la fois l'aspect documentaire, le texte, les images et le jeu. Voilà. Donc ce projet, c'est le 6e ou le 7e livre de cette maison d'édition qui a 2 ans. Et ce projet est né de l'absence de livres pour les enfants sur le cinéma, d'une façon générale, sur l'histoire du cinéma et sur aussi le fait de pouvoir partager un art qui est relativement récent mais qui évolue très rapidement. Voilà. Sur ce projet, on est 3, donc il y a l'éditrice, on est même 4, l'éditrice, l'auteur qui est Denis Ferrand, qui est professeur de cinéma, et il y a aussi une personne qui relie les textes. On appelle ça un conseiller scientifique qui est là pour valider le projet. Voilà. Le travail que j'ai fait pendant la résidence, pendant les 10 jours, bon, il y en a un petit peu aussi sur les murs. En tout cas, cette illustration-là, c'est une grande illustration qui reprend le format du livre. Ça, c'est un livre que j'illustre avec la même maison d'édition et on garde le même format, la même façon de procéder. Donc c'est... Ça a sauté, c'est pas grave. C'est des doubles pages comme ça. Et donc ce format, il est un peu plus grand, mais c'est censé être une grande illustration. Donc là, on explique le cinéma d'animation. C'est comme une galerie d'évolution des personnages de cinéma d'animation. C'est ça, le dessin. Deuxième étape, je bidouille avec Photoshop l'image originale. Et après, alors là, ça casse un peu, mais c'est ça. Pression sur Photoshop pour essayer, pour montrer les couleurs hyper criardes de la Technicolor. Et en même temps, on a les images de guerre. C'est aussi pour donner une idée du contexte à la fois technique mais historique. Merci Flash Mumato, au revoir, c'est ça. Ciao, ciao. Grazie.